Le soutien et la solidarité envers les femmes des forces de défense et de sécurité va désormais se matérialiser aussi à travers le concept épouse de soldat, cœur de soldat. Le concept va permettre d'accompagner les femmes des militaires dans la gestion du stress et l'éducation financière. Le lancement avec Mariama Tamboura. Nationale pour réaffirmer leur attachement à la patrie. Toutes des épouses de soldats, l'on pourrait les appeler les combattantes de l'arrière-plan. Elles sont là pour répondre à l'appel de l'initiative Épouses de soldats, cœur de soldats. C'est un concept pensé pour contribuer aux efforts de lutte contre le terrorisme avec en première ligne les épouses de militaires. La femme a un très grand rôle à jouer. Et pour cela, elle doit aussi avoir un cœur qui puisse accompagner son mari. Et quand son mari n'est pas là, c'est elle qui assume les responsabilités dans la maison. Et du coup, c'est pour ça que l'idée, l'appellation épouse de soldat, cœur de soldat est née. Cette journée consacre le lancement officiel des activités de l'initiative. Et pour l'atteinte des objectifs visés, ces femmes peuvent compter sur le soutien de la hiérarchie militaire et des autorités. Tout militaire ne saurait résoudre la question du terrorisme aujourd'hui au Burkina Faso. Donc il faut des initiatives. Et c'est toutes ces initiatives qui vont concourir à la résolution du problème terroriste. Et il n'y a rien de tel pour un combattant de quitter le terrain et de rentrer chez lui et se sentir tranquille. Se sentir en paix. L'initiative épouse de soldats, cœur de soldats, c'est aussi une invite à la réflexion et surtout à l'action. À cet effet, il est prévu des communications sur la gestion du stress, l'éducation financière et l'usage judicieux des réseaux sociaux. J'encourage vraiment les femmes à endosser ce rôle de soldat à côté de leurs époux et que quand les soldats reviennent de mission, qu'elles aient un comportement qui les apaise. Ça devait venir dès que la guerre a commencé pour pouvoir vraiment sensibiliser les femmes à comprendre quand le monsieur n'est pas là, comment je dois être, comment je dois prendre la situation avant même qu'on parle d'un militaire tombé. À cette conférence, les femmes ont fait don de leur sang pour sauver les malades et blessés de guerre. Une manière de marquer davantage leur engagement à soutenir leurs époux.